Bonjour les enfants. Dans cette vidéo, on va voyager dans le monde des lettres pour s'amuser à composer des syllabes. Vous aurez besoin de votre boîte à lettres. Je vous rappelle, comme vous avez déjà appris en classe et vous le savez très bien, que quand je mets une consonne en premier, ensuite un son, j'obtiens une syllabe. C'est-à-dire que pour former une syllabe, soit je mets en premier une consonne et ensuite une voyelle, soit je mets en premier une consonne et ensuite un phonème. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Voici le M qui part en voyage. Il fait le son M. En chemin, il rencontre Monsieur A qui fait le son A. Quand le M s'approche du A, ensemble, ils font MA. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, le M rencontre Madame I qui fait le son I. Quand le M s'approche du I, ensemble, ils font MI. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, il rencontre Monsieur O qui fait le son O. Quand le M s'approche du O, ensemble, ils font MO. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, le M rencontre Monsieur E qui fait E. Quand le M s'approche du E, ensemble, ils font ME. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, le M rencontre Madame U qui fait U. Quand le M s'approche du U, ensemble, ils font MU. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, le M rencontre Monsieur E qui fait E. Quand le M s'approche du E, ensemble, ils font ME. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, il rencontre ON. Quand le M s'approche du ON, ensemble, ils font MON. Ensuite, le M poursuit son voyage. En chemin, il rencontre OU. Quand le M s'approche du OU, ensemble, ils font MOU. Amuse-toi à voyager avec d'autres consonnes pour composer de nouvelles syllabes. Qui a eu cette idée folle?